mardi 18, il est 9h25 et on va faire une petite heure sur Requiem, chapitre 1, sous un nouveau soleil. Bien, bien, bien. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Ralentis, tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort, le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier. Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. Amicia ! Ok, putain, il est magnifique le jeu. Ok, bon, on va essayer d'aller épuiser le petit roi. Waouh. Allons voir. Bon, très bien. Allez, on court. On va sprinter. Hugo, tu vas suer comme un bœuf. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. En tout cas, le jeu est magnifique. En vrai, je ne regrette pas. Alors, je suis sur Xbox F, donc face au Game Pass. J'adore ton nouveau chez toi. Et tu l'obtiens gratuitement. Voilà. D'accord. Les avantages du Game Pass. Lucas, le perfide, attaque mon château. Oui, et je vais te transformer en scarabée. Amicia, il est trop fort. Il faut qu'on se cache. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo, et... Amicia, l'Amazone. Évidemment. Alors maintenant, filez. Viens, Amicia, l'Amazone. On doit trouver une bonne cachette. Je serai à vos côtés, Majesté. Vite, vite. N'oubliez pas de respirer, bon là-bas. Bien, gardons-le à l'œil maintenant. Oui, on bougera. Il arrive, il arrive. Je sens votre peur. Moi, Lucas, perfide parmi les perfides, je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. On va jouer un peu cache-cache avec lui. Alors, où est-ce qu'il est? Vous êtes ici? Où pourriez-vous bien être? Oh là là. Tendu. Tu sais quoi? Nous aussi, on devrait le chasser. Était-ce vous? Le perfide a posé ses yeux sur vous. C'est la fin. T'es trop méchant! Allons, gardez courage. Trop facile. Mais non. Bon, je vous donne une seconde chance. Il faut qu'on se déplace pour rester hors de vue, mon roi. Ok, on va se cacher ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive. Il va arriver. Où êtes-vous? Je peux sentir votre peur à des lieux. Alors, où est-ce qu'il va aller, monsieur? Votre mauvaise haleine royale? Vous serez bientôt déchu. Ah! Vous êtes futé! Je vous trouverai de toute façon. D'accord, si tu le dis, mon ami, tu vas nous trouver. Bon, c'est ce que nous avons. Mais il est passé où? Tu sais quoi? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui!
Ma patience a déjà été mise à rude épreuve. Je vous trouverai. Ça va pas être facile, je pense. Mais on peut essayer. On va s'approcher discrètement de Lucas. T'es divine. T'as eu une sacrée pousse. Aïe, super. Bien, bien. Bon, je dois repartir étudier maintenant. Lucas. Écoute, si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien, à plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon allez, roi. Go. Allez, on s'en partit, je suis content que Lucas soit resté. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. En tout cas, il a l'air d'être joli. Alors, où est-ce que je peux passer? Peut-être par là, peut-être. Non. Je ne peux pas passer à travers les buissons. Alors, attends. On va par les rochers, toi. Peut-être par les rochers, en vrai. Non. Alors. On va aller faire le tour un petit peu au niveau de la montagne. Non, en tout cas, c'est pas par là. Bon. Alors, il y a bien un chemin pour pouvoir y accéder, quoi. Bon. Alors. Après, il y a bien des buissons, mais peut-être je peux là. Monter sur ces rochers. Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. Patrouillons par là. Allez, on va aller voir. C'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. C'est très joli. Waouh. Alors, super beau. Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière? Oui. Pourquoi pas? Attention, Amicia, l'Amazon. Navire ennemi en vue. Ils vont nous attaquer. Oh non. Qu'allons-nous faire? Reste à la frontière et coule-les avant qu'ils passent. Retourne à ton poste, Amicia, derrière la branche. Ok. D'accord, ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois, nous sauverons votre royaume, majesté. Ok. Un de moins. Oh. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Okay. Que de la bonne magie. Okay. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. On a réussi à l'envahisseur était en nombre. Okay. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Oh, on en a loupé aucun. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous? Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona. J'habite dans le coin. D'accord. Nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette! Je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. Ok, let's go. Wow! T'es fou! T'es fort! Mais ils arrivent encore! Et je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Tona, continuez à tirer avec le canon. Ouais. On leur botte les fesses. Leur vilaine fesse. Du calme, majesté. Vous commencez à parler comme un petit démon. C'est la guerre. Comment de faire des manières. Ok. Très bien. Donne-leur le coup de grâce, Tona. Oh, ok.
qui va prendre. Attention, roulette canon. Oh non, Hugo, à couvert. D'accord, c'est bon les garçons, vous avez gagné, ils se rendent. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Il était gentil. Allez, en route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Tu en as coulé des tonnes. Bravo, capitaine. Et Tona était gentil. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûr? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante. Je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Un jour, mon ami. Ce château est immense. Qu'en dites-vous? On l'attaque? D'accord, je suis prêt. Maintenant, chargez! Chargez! Ok, on va suivre la rivière, on va essayer de voir un petit peu où mène ce château. La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Il y a peut-être moyen de l'ouvrir. Ah! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Oh, okay. Les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai? Oh, wow. Oh. Tu t'es fait mal? Non, mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Oula. Tu sens ça? Ok. On dirait une cheminée. Oui. On va y aller super lentement. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Wow. Pas un bruit, on s'en va. Ouais. C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? C'est fou quand même. Une sauvegarde. Amicia. Que se passe-t-il? Vous êtes combien? Attendez, on voulait pas entrer sans permission. On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge! Je vous le jure. Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge! Vous êtes des voleurs! Je vais vous couper en morceaux! Oh la vache, allez, cours, 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 cours. Venez ici! On doit sortir d'ici! La porte! Oh, non, non! Viens! Vous êtes coincés! Là! Vous tirez du pain! Il nous suit toujours! Cherche un moyen de sortir! Cette fois, j'en ai trop! Ok, par ici. Vous croyez pas qu'on va vous laisser? Par ici! Il ne nous suivra pas! Allez, allez! Vite! C'est pas vrai, hein? Voleur! Vous essayez de voler! Oui, baisse-toi! Vite! Vous ne reviendrez plus, je te jure! Attrape-le! Ah! Jake! Oh. Pitié, laisse-moi en supplie! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu y penser avant de nous voler avec la porte! Chut! Non! Bon sang, Mathias! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là! Hey, j'en ai manqué deux! Un garçon et une fille! Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves! Okay. Il faut qu'on parte d'ici! Oui, vite! Ils sont fous! Ça va falloir se cacher dans les hautes herbes, là. Quel gâchis! Tu vas faire quoi avec notre viande et notre miel, maintenant, hein? Non, t'es mort! Il faut nous tuer! Non, ils ne nous verront pas!
Ok. Mathias, viens! Ils ont salement amoché grand-père! Merde, non! Amicia, non, Amicia! Non, oh, c'est pas bon! Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps! Ouais. Veille sur lui en attendant. On pourrait se cacher ici. Okay. Il nous trouverait. On doit continuer. Et quelle bonne chance! Allez, doucement. Seigneur! Arrête de pleurnicher! Il y en a sûrement encore aux alentours! Va aider les autres! Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre! C'est... Oublie ça! Tu bougeras pas. Okay. Je m'en charge. La boîte à outils. Comment? Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'ils viennent ici. Je te le dis. On n'a pas besoin de tous les tuer. Pouf. Hein? Hein? C'était une fronde? Va-t'en. C'est pas les autres. D'accord, allez, j'ai des hallucinations. On retourne à la charrette et on s'en va très loin d'ici. Maman va être très en colère. On ne lui dira rien. Oh là là là. On partira dès qu'on arrive à la charrette. Il est où ce petit merdeux? Tu devais monter la garde. Okay. C'est ta faute tout ça. Il va falloir qu'on grimpe. En silence. Connard! Ramène ton cul ici. Tout de suite. Quoi? Je veux te démolir. Oh non, c'est la maison de Tonin. Peut-être qu'il n'est pas encore rentré. J'espère. Mais... D'accord, donc il a vécu. Oui, j'y vais. Ok. Bon, pour le moment, ça passe. On va faire super gaffe quand même. Au moins, ils ont pas touché à son âme. Waouh, ok. Ah non. Qui est là? Il arrive. Qu'est-ce que c'est? On y va. Ok. Il a failli nous voir. Oui, il faut. Mais qu'on il fasse plus attention. D'accord. Je veux m'occuper de son cas, donc le père s'en charge. Oh, comme avant. Il doit se planquer quelque part. Amicia, les pas, ça pourrait marcher. Hein? C'est quoi ce claquement? Vaut mieux aller voir. Si je le lance derrière lui. C'était quoi? Rien à signaler. Non. Dommage. Wow. Ok. Bon, je me suis un peu mal pris, donc le pot, il faut que je le lance. On la garde ici. On se relaiera jusqu'à demain. D'accord. Il faut atteindre cette porte. Je dois détourner son attention. Où est Tonin? Je veux m'occuper de son cas. Ici, à l'époque, ça pourrait marcher. Oh. Il doit se planquer quelque part. Si je le lance derrière lui. Okay. J'ai une hache! Je vous préviens! Maintenant, profitons-en! Que les saints protègent! Okay. Bon, y'a rien. Pitié, dites-moi qu'on peut très, sortir par là. Très, oui. Très chaud. Il y a un passage, là. Oui, je peux aller de l'autre côté, ouvrir la porte. Oh, j'aimerais tellement que tu n'aies pas à faire ça. D'accord, mais fais très attention. T'inquiète pas. Pitié, ne te fais pas repérer. Mmh.
Vas-y doucement, petit. C'est trop lourd, mais tu peux l'ouvrir maintenant. Oui, bon travail. Ils sont où? Ils ont trouvé Tona? Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve comment sortir. On peut pas le laisser comme ça. Il va se débrouiller. On doit partir, Hugo. S'ils nous attrapent, ils vont nous tuer. Mais ils vont peut-être le tuer lui aussi. Chut, pas un bruit. On va essayer de passer par là, peut-être. Non, par ici. Hein, quoique. Fermé. Ouais, ouais. Ça va être de l'autre côté. La porte là-bas. Essayons-la. Avec les cochons. Stop! Arrête! T'es la plus grosse erreur de notre père! Mais je vais arranger ça. Arrête! Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu. On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non. On vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais le garçon... Il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. Allez, c'est parti. Non. Oh. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? La fille. Amicia? Me fais pas de mal. Où on est? J'ai besoin d'aide. Attends. Attends-moi. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Et où est-ce qu'on est? Une plage, mais où ça se fait? T'en vas pas. Respire. Respire. Où est-ce que tu vas? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. Ok. En tout cas, c'est magnifique, je trouve, le jeu, franchement. Oh, quoi? Oh, je suis où? Amicia? Waouh. Maman? Lucas? Vous êtes où? Je me sens pas bien. Ah.
final... Non. J'ai mal. Okay. Pitié. Pitié. Arrête de crier et aide-moi. Wow. Aide-moi à les trouver. Aide-moi. Il y a tout qui change. Ah, allez, allez, debout. Non. Pas ça. Laisse-moi. Laisse-moi. Okay. Arrête. Ce bruit. Qu'est-ce que tu veux? Tu cries trop fort. D'accord. J'arrive. C'est ça. Mourir. Je veux pas mourir. Ses mains, son visage. La douleur s'en va. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvé. Merci. Est-ce que je peux revenir avec quelqu'un? Elle est où, cette sœur? C'est ça que je demande. Où est Amicia? Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Putain. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, j'étais malade. Et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais... qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais, Amicia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués. Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyenne, avant qu'on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait. Compris, ils sont prêts passé. À nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La macula n'est pas seulement dans le sang d'Hugo. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Bon. Alors c'est un rêve ce qui s'est passé, ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Oh. Que se passe-t-il? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. R, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon! C'est eux! Viens là! Non! Non, attendez! Non! Amicia! Toi, attrape-les! Ne la laissez pas filer! Mais... ok. Je sais que t'es quelque part par là! Montre-toi! Ta fronde! Oh, elle est restée dans le chariot! Non! Avance! Elle était juste là! Reste baissée. Elle doit pas être loin! Ouvre l'œil! On devrait aller la chercher dans les champs! C'est ça! Partez loin! Attention! C'est une teigne!
Elle pourrait être juste à côté de toi. On a de la compagnie. Ok, faire attention. Le chariot, ils ont besoin de toi. Hugo a besoin de toi. Aïe, on va essayer de faire vite. Bon, ça doit être ils ont dû descendre. Dépêche-toi, à couvert. On reste à couvert. Si jamais je vous attrape. Ok. Faudrait essayer de leur couper la tête. C'est eux, ça. Rêvez pas. Je vous aurai quand même. Ok, faut faire super gaffe. Alors là, je vais essayer de la tirer. C'est eux. Ils doivent pas être loin. Vous faites où? Montrez-vous! Ok. Je fais gaffe au point. Là, il y a un mec là-bas, donc on va essayer de l'attirer. On va essayer de l'attirer là. Ah, il faut que j'aille en bas. Il est tombé sur la tête. Continue. Okay. Allez. Les autres ont filé en bas de la colline. Ils sont vivants. Faut faire gaffe. Le chapeau. La fronde. Vite, vite. Allez. Oui. Reculez. Allez, je veux jouer. Salopard. On va jouer. Il fallait que vous reveniez. Voilà ce que je dis là. Quoi. Oh, oh, je l'avais pas vu. Ah, je ne l'avais pas vu, monsieur Amantoin. Ok. Là, il y en a un qui est là. Ok. Là, il y en a un autre qui devrait arriver, je pense. Non. Ok. Là, c'est bon. On va essayer de faire attention. C'est par là, par ici. Attrapez-les. Waouh. Ah ouais, il est tendu. Ok, donc il faut que je sois efficace et discret. Ok. Ok, toi. Mais non, je l'ai vu arriver lui. Attends, je suis où là? Ok, ça c'est bon. Pas très mal. Ok.
Ouais, mais pas touché. Ok, ça c'est bon. Allez, on peut continuer. Ouais, il y a tout qui prend feu. Alors attendez. Je vais juste vite fait. La musique, on va un peu la baisser et puis on va la mettre à 30. Son ambiance. Voilà, ça doit être un peu mieux. T'arrêtes pas, ils sont vivants, ils ont besoin de toi. Par où je peux passer ? Par là, ouais. Par ici, vite. Non, tu meurs. Arrêtez. Mais j'arrive. C'est un enfant. Vite. Allez. Épargnez-les, par pitié. Des gamins ont tué ma famille, démon. Arrêtez. Toi! Doucement, vise bien! Elle ira en enfer! Ah. Ouh. Ok, on les a sauvés. Hugo! Non. Il respire. C'est le choc. Oh putain. C'est fini. Tout va bien. Tout va bien. Donc non, ils étaient vraiment allés dans le château. Ok. Ouf, très rythmé le début du jeu. Très rythmé. Franchement. Ok. Alors, attendez 30 secondes les petits potes, je vérifie juste. C'est un seigneur très puissant. En tout cas, c'est magnifique ici. Vous êtes vraiment sûr que l'alchimiste nous attend ? Eh bien, Magister Vaudin m'a dit qu'il allait préparer une maison pour nous. Une maison tout entière ? Oui. L'ordre est très ancien. Il possède des maisons et beaucoup d'autres choses. Ils ont construit le laboratoire de ta mère, et même le château d'Ombrage, tu te souviens ? Oui. C'est gentil de nous donner une maison. C'est parce que tu es très important pour eux. Sa Majesté nous permet-elle d'entrer dans la ville à ses côtés ? Je le permets. C'est très bon en tout cas. Gibier, charcuterie, poisson frais dans la rivière. Pêcher ce matin. C'est une foi. Va jeter un œil avec lui. Merci. La maison est située sur les hauteurs de la ville. Elle a une girouette en forme de phénix. C'est compris. Et sois prudente surtout. Alors, il y a quelque chose qui te plaît ? Je crois que tout me plaît ici. Bien. Il y a sûrement plein d'autres choses à voir. Ok, eh bien, les petits potes, tu as envie de voir quoi ? Probablement. Je veux tout voir. On va essayer. Je vais essayer de faire un chapitre
Paralive. En tout cas, le jeu me plaît énormément. J'ai hâte de faire la suite du jeu. J'espère que ça vous aura plu. Vous aurez la rediffusion sur ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et surtout, au prochain live, si vous, ce que vous en avez pensé, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, les amis. Ciao, ciao.